Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Je vais vous présenter aujourd'hui un épisode consacré aux manipulations des fenêtres sous Windows 8. Vous êtes prêts? Alors, à tout de suite. Donc, pour notre exemple, nous allons lancer un logiciel qui s'appelle Photofiltre, par exemple. Pour agrandir. Pour mettre notre écran en plein écran. Donc j'ai appuyé sur le petit icône au milieu. Non, ça va pas. Donc je vais lancer un logiciel qui s'appelle Photofiltre. Donc ce logiciel s'ouvre en plein écran. Si je veux réduire un petit peu cette fenêtre, je vais appuyer ici sur niveau inférieur. Si je veux le remettre en plein écran, je rappuie sur agrandir. D'accord? Si je veux maintenant le mettre dans ce qu'on appelle la barre des tâches, je vais appuyer sur réduire. Alors attention, mon logiciel n'est pas fermé. Il est toujours ouvert. Donc ici, je rappuie et il se rouvre. Maintenant, on va ouvrir un deuxième logiciel, par exemple Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Donc ici, c'est ouvert, pareil, hein, même manipulation. Je vais pouvoir soit le mettre en niveau inférieur, soit le mettre dans la barre des tâches. Maintenant, si je veux basculer d'un logiciel à un autre, je vais pouvoir basculer. Donc pour pouvoir basculer, hein, je vais être amené à utiliser les touches Alt plus tabulation. Alors la touche tabulation se trouve juste à côté de la lettre A. Vous l'avez repéré? Alors on va le faire ensemble. À tout de suite. Donc là je vais appuyer sur la touche Alt et tabulation. Vous voyez, hein, je peux. Donc je maintiens ma touche Alt. Je fais juste un petit coup. Et je me retrouve sur Photofiltre. Hein, hop, là je me retrouve sur le bureau. Je me retrouve. Donc si je veux m'arrêter sur Word par exemple, et ben je relâche. Et là je suis sur Word. Si je veux l'avoir en plein écran, je la mets en plein écran. Autre petite chose que je voulais voir avec vous. Donc ici, si je veux déplacer ma fenêtre, je prends ici tout en haut, hein, sur le document. Je vais pouvoir déplacer ma fenêtre. Maintenant, si je veux agrandir ma fenêtre, je peux agrandir ma fenêtre en maintenant le clic gauche de ma souris enfoncé et je tire avec ma souris. Pareil à droite. Pareil en haut. Et pareil en bas. Maintenant, je veux refaire prendre ma fenêtre le plein écran. Soit j'appuie sur le petit carré, ou alors je peux faire monter ma fenêtre là-haut et elle prend le plein écran. Regardez, je vous remontre. Je prends ma fenêtre. Toc, il y a une petite onde qui apparaît sur mon écran et elle prend le plein écran. Autre chose. Donc je peux approcher ma fenêtre du côté ici, toc, et si je fais un petit coup sec, elle va prendre la moitié de mon écran. Je vous le refais. Hein, donc j'approche ma fenêtre de mon écran et d'un petit coup sec, toc, un petit coup sec de souris et elle va prendre la moitié de mon écran. Par exemple, maintenant je veux mettre mon photofiltre sur la deuxième partie de mon écran. Donc, je vais faire pareil. Je vais le mettre sur l'autre côté. Un petit coup sec. Tac! Et là, mon écran est partagé entre mon logiciel Word et mon logiciel Photofiltre. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me faire quelques remarques sur la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant ci-dessous.
Et puis n'hésitez pas non plus à cliquer sur j'aime. Alors, à très bientôt pour un nouveau épisode.